Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce match. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous football dans un stade qui a de nouveau fait le plein. Un petit point météo, il se pourrait qu'il pleuve pendant cette rencontre, qui pourrait être synonyme de ballon qui fuse et qui accélère. C'est un enfer pour les gardiens, ça on sait, mais ça peut donner plus de spectacle pour vous, les téléspectateurs. L'ambiance est magnifique dans cet Estádio do Dragão, qui est bien sûr l'un des plus grands stades du Portugal. Rennes va donc jouer à 3 devant. Qu'en pensez-vous, Darren ? C'est un système assez classique, où les trois attaquants jouent un rôle très important. Surtout les deux ailiers. Plus ils jouent écartés, plus ils laissent espace à leur attaquant de pointe. Et à la perte du ballon, ça permet d'avoir trois joueurs pour presser assez haut. Mais la clé, c'est leur complémentarité. Voilà, on y est. Début de la rencontre. C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. Tchaletatsar. Camara. Qui a de la liberté. La passe est précise. Quelle frappe! Oh, la main ferme! Oh, quel arrêt! Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Samson. Thauvin. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Un ballon intéressant. Il tente sa chance. Zonzi. L'Olympique de Marseille qui semble jouer davantage sur les ailes en ce moment. Oui, c'est vrai. On le voit bien d'ailleurs depuis notre poste commentateur. Mais dans quel but à votre avis, Darren? Je pense qu'ils essaient... Thauvin! La parade, superbe! Oh, c'est un arrêt important, ça! Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Pour Sakai. Quelle intervention de Tchaletatsar! L'arbitre signale une faute. Dégage. Et dégagement du gardien. Et il cède sous la pression. Et ce sera une faute. Centre en retrait. Oh, le joli coup de tête. Oh, elle était belle cette tête, mais ça ne suffit pas. Le coup de tête. Un autre tir! Ça peut rentrer cette fois! Oh, le but! Le but pour l'Olympique de Marseille! Le gardien était bien présent sur la première tentative, mais il n'a rien pu faire sur la deuxième! Mais il faut communiquer dans ce genre de situation! Messieurs les défenseurs, vous êtes à la rue! But pour l'équipe de l'Olympique de Marseille! Après 22 minutes de jeu, là, le numéro 9.
Le jeu reprend, ça fait 1-0. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. Ça manque de soutien dans la zone de vérité. Oh, le petit ballon piqué! Faut frapper là! C'est au fond du filet! Ils sont récompensés de leurs efforts sur cette égalisation. Alors Darren, votre analyse sur ce but? La défense était un peu à la rue à mon avis, mais la passe était bonne. Il a eu tout le temps d'ajuster sa frappe. But pour l'équipe de Sarana. Après 26 minutes de jeu, Mara, le numéro 18. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Ah, ça c'est un grand classique, ils sont encore en train de fêter le but et hop, ils se font remonter. Et ils essaient de repartir de derrière. Ça caille, ça part de l'autre côté. Le ballon passe d'une aile à l'autre. Thauvin. Il remporte son duel. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Ça, c'est une interception parfaite. Oh, c'est chaud. Et le ballon est sorti. Touche. Thauvin. Rongier, qui lui offre un vrai caviar. Rongier, il y a danger. Il peut centrer. Mais il paraissait bien seul aussi. Ça caille. Rongier. Sur la gauche. Samson. Camara. Camara. Qui cherche une solution. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Oh, voici Thauvin. C'est la mi-temps dans ce match intéressant. Espérons que la seconde période sera tout aussi belle. C'était une première période très agréable. On a vu 2 buts, des occasions, et tout reste à faire dans la seconde partie. Et c'est reparti. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. Coup franc pour l'Olympique de Marseille. Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera carton. Pas beaucoup d'angle pour frapper ce coup franc là. L'interception, bien joué. C'est une occasion! Zonzi. Il ne résiste pas au contact. C'est joué dans l'espace. Il file dans l'axe. Dans la surface. Ça sent la frappe. Oh, il y a danger. Il prend sa chance. Et la défense pousse un gros ouf de soulagement. Allez, essayez d'être précis, touchez un coéquipier. C'est repoussé par la défense. Oh, j'en connais un qui attendait ce ballon, quelle frustration quand même.
Un long ballon vers l'avant. Quelle intervention de Tchaletatsar! Avec Rongier. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Aguerd qui cherche la profondeur. Il faut que ça va partir vite. Cette possession un peu stérile. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il récupère le ballon. C'est joué long, attention. Il y a peut-être un coup à jouer. Dommage qu'il n'ait pas levé la tête. Il aurait sans doute pu trouver un coéquipier démarqué. Il a trébuché sur cette intervention. Le ballon dans la profondeur. Oui, il peut frapper là. Et il trompe le gardien. Quel comeback! Voilà typiquement le genre de joueur qu'il faut surveiller en permanence. Le tir était bon, mais saluons la passe. On sent que ça a été bossé à l'entraînement, ça. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Les voici avec un but d'avance. Ce n'est jamais facile de résister à une équipe qui joue sans va-tout. Et pourtant, ils vont devoir tenir. Oh, voici Thauvin. La passe dans la profondeur. Il tente de se dégager. Pour Sakai. Quelle inspiration! C'est joué dans la profondeur. Un son! Allez, de la tête! Et il marque! Oh, ça va être un match serré jusqu'au bout! Et il le mérite! Il en faut du caractère pour revenir encore une fois au score. C'est vraiment un beau coup de tête, il a progressé dans ce domaine. Beaucoup de sang-froid pour mettre cette tête. Le geste était parfait. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. Quel match! En tout cas, il ne lâche rien. L'Olympique de Marseille revient au bon moment. Et à mon avis, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Nagatomo qui récupère ce ballon. La passe en retrait vers son défenseur. Bonne intervention, il y avait danger. La faute. Il peut frapper. Il a tenté, bien joué. La faute. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. Ça, c'est du sacrifice. Ils étaient en très mauvaise posture, il fallait intervenir. Malheureusement, c'est le genre de choses qui arrivent dans une telle situation. Frappe directe. Quelle merveille exceptionnelle! Oh, un but vraiment incroyable! Yes! Goal! Et ils prennent l'avantage! Oh, c'était parfait, le gardien ne pouvait rien là-dessus. Il savait qu'il pouvait marquer de là où il était, et après, rien à dire sur l'exécution. Les voilà avec un petit but d'avance. Ils ont pris le temps, mais les voilà devant. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent tenir jusqu'à la fin? Ils n'ont peut-être pas dit leur dernier mot.
Strootman qui écarte le jeu. Il faut centrer. Le bon centre. Il est là pour dégager. Mais non, hors-jeu. Le gardien dégage, loin. Le ballon sort du terrain. Un peu de coaching, c'est bien. Il quitte le terrain, applaudi par tout un stade. Quel match il a fait! Bah écoutez, il a fait son match, il peut être content de lui. Allez, allez, un petit peu d'énergie, le match est bientôt fini. Ils doivent jouer plus vite, vers l'avant. Dans la profondeur, la passe dans l'axe. Faute, oui, faute, et coup franc à venir. Le gardien loin devant. Oh voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Oh voilà une défaite vraiment surprenante. Ils ont craqué, mais bravo aux vainqueurs qui se sont eux battus jusqu'au bout. Alors, que retenir de cette rencontre? Je pense surtout qu'il va falloir corriger pas mal.